Allez, c'est parti. Bienvenue, du coup, tout le monde, pour cette petite journée entièrement consacrée à Subnautica Below Zero. J'ai pas fait le premier, hein, je précise, mais trop envie de faire celui-là. Un jeu que j'avais très envie de faire, d'ailleurs, le premier. Ah, on a plusieurs modes de jeu disponibles. Lutter pour votre survie, seul sur... Ah oui, donc le pitch, c'est qu'on s'écrase sur une planète inconnue et qu'on doit survivre. Planète inconnue, c'est pas du tout la Terre. Hein. On le remarque bien à ces pingouins de l'espace. Donc on est sur 4546 B. C'est le nom de la planète. Tout en enquêtant sur la mort de votre sœur. Ah. Libre, extrême, mode survie avec une vie seulement, pas d'alerte d'oxygène. Non, évidemment que non. Créatif, non. Bah alors du coup, survie classique. Donc c'est un jeu qui fait vraiment la part belle à l'exploration, énormément. Exploration, construction, farm de ressources, un petit peu. Jeu très très bien fichu, s'il en est. Et on va se faire ça en mode très très chill. This is the farthest that I could take you on company space bucks, Robin. Summon the Electrocontis. The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Oh, comment c'est trop classe! Oh, je veux un jeu comme ça. Approaching 45-46 feet. Surface temperature. Faudra quand même que je m'essaye à Elite Dangerous une fois. Ah, ça c'est pas trop. Il va marcher beaucoup moins bien, forcément. Appuyez sur F8. Merde, pas eu le temps de voir. Alors, je vais laisser le son du jeu relativement fort pour que vous aussi vous ayez l'ambiance sonore du jeu et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, les touches! Au secours. Ça commence très fort. Alors. Avancer, reculer, gauche. Ah. Ok. Le reste, on verra. Ok, sprint, c'est... Oui, très bien. Hey, j'ai été étonné, le jeu il prend zéro place sur le PC. Holy smokes. Oh, c'est une lampe chauffante! C'est une plante en forme de lampe chauffante! I should find a way into the water. Mais oui! Mais trop bien! Oh, je me fais un petit peu griller le cul là! C'est génial! Par là. Je commence le jeu à peine. Oui, oui, oui. C'est une découverte totale. Quoi? Je dois déjà aller dans la flotte? Alors, je vois ma température qui chute, là. En bas à gauche, j'imagine. Ma faim, ma vie, ma soif, mon oxygène. Ma température remonte? La température de l'eau est meilleure que la température extérieure. C'est donc ça le principe. Alors, c'est pas un jeu qui est, pour ceux qui connaissent pas, tout ce que je sais, c'est que c'est pas trop un jeu... C'est pas un jeu d'action, hein, c'est vraiment un jeu beaucoup plus d'exploration. Il peut y avoir des attaques de monstres et de ce genre de trucs, mais c'est vraiment beaucoup plus de l'exploration, tout ça. Salut toi.
Ah ouais, faut vraiment que je vous mette les sons, hein, parce que des fois, il y a des trucs angoissants as fuck qu'on entend gueuler au loin. Est-ce que ça va, là, le son? Vous l'avez suffisamment? Hop là. Found the drop pod. Qu'est-ce que je dois faire? Journaux et communications, tab. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on. Donc, je tiens à vous exprimer mes plus sincères condoléances pour la disparition de votre sœur. J'ai eu l'occasion de mieux connaître Sam à la fin de ma mission avec Altera sur 4546B. Quand nous avons toutes les deux été assignées à l'avant-poste 0, elle discutait volontiers et m'a souvent parlé de vous. Il me paraît pas convenable qu'Altera attribue la mort de Sam à sa prétendue négligence. La Samantha Ayu que j'ai connue m'inspire plusieurs choses, gentillesse, intelligence, dévouement, mais jamais il ne me viendrait à l'esprit de la qualifier de négligente. J'aimerais vous en dire plus, mais je n'ai plus accès à aucune information. Il est probable que vous soyez plus à même de creuser la question. Sachez que la station Delta faisait office de quartier général comme la station a été, évacuée par la HAT. À la HAT, peut-être que vous y trouverez quelque chose. Il y a une tour radio imposante, vous ne pouvez pas la rater. J'espère que vous trouverez des réponses à vos interrogations. Liliane. Ok. Alors... Matériaux basiques, mailles de fibre, caoutchouc en silicone, verre, kit de câblage, piles, fil de cuivre. C'est tout ce que j'ai sur moi, ça? Casier étanche. Épingler la recette. D'accord. Tout ça, c'est des... Ah ouais, c'est des schémas, c'est ce que je peux fabriquer, quoi. Gestion des balises. Ah. D'accord. Photo, journal vocal, banque de données. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Ouais. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Utilisez le fabricateur. Réservoir d'oxygène, palme, boussole, kit de soins, outils, couteau de survie, fusée éclairante, lampe. Torche, caoutchouc, titane, ouais d'accord, mais j'ai que dalle alors. D'accord. Et donc là j'ai rien. Donc en gros pour l'instant j'ai absolument rien, c'est ça? Sortir de la base. Il faut que j'aille dehors et que je trouve des trucs quoi. En clair. Ah voilà. Should be able to use this. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se... Attraper le pochon. Via la petite pochon. Il y a petit pochon. New creature discovered. New blueprint synthesized. Alors, du coup... Attendez, qu'est-ce que j'en fais de cette saloperie? Nourriture cuisinée, eau. Alors vas-y, pochon cuit. Ah, et les pochons peuvent... On fait des bouteilles d'eau aussi. Avec. Et en termes de ressources... Poche d'air. Caoutchouc en silicone plus pochon, ouais. Le regard du pochon, ouais, j'avoue. Et ça, alors, je peux attraper tous les poissons? Ils sont pas... Oh là 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 là, regarde... je me sens pas bien. En regardant les profondeurs comme ça, je suis pas super... J'ai pas la peur des profondeurs, mais je suis quand même pas ultra à l'aise. Comme un espèce de petit sentiment d'angoisse. Elle est où la terre ferme? Elle est où la terre ferme? Mais en fait c'est le fait de voir les profondeurs comme ça, le truc qui part à pic.
Parce que là, ça va, on a l'impression d'être un peu à plat, on voit toujours le dessus et tout, pas de problème. Mais après ça, là, quand on voit que ça descend à pic comme ça, ah, ouais. J'ai pas peur, hein, mais pas trop quand même. Attention à l'oxygène, allez, viens là, petit. Oh là là, faut des palmes, hein. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oxygène. Oui. Ok, l'oxygène remonte quasiment instantanément. Presque. Ah, c'est quoi ça ? Alors, il y a des bêtes dangereuses, mais à mon avis, au début, il y en a pas. Shut up, demon. Un pochon ! Pouvoir faire de l'eau avec. Merci Terrazul pour les 6 mois. Merci beaucoup. Est-ce que la musique du jeu est suffisamment forte ? Ah, c'est si classe. Adieu, hein. Pour moi, vous n'existez plus. Et je vais passer ma meilleure vie dans ces 2 prochains jours. Voilà. Hop. Faire de l'eau avec, du coup. La musique est nickel. Parfait. Ça, vous avez bien les sons de ça aussi. C'est quand même important. Électronique, fil de cuivre, pile. Ouais, mais moi, ce que je voudrais, c'est du coup. Équipement, kit de soins, boussole. Ouais, palme et réservoir à oxygène, quoi. Visée éclairante. Et le couteau, c'est quoi ? Caoutchouc en silicone. Caoutchouc en silicone. Caoutchouc en silicone. Il faut quoi ? Des graines de vigne d'Oréen. Ah, c'est les espèces de tentacules, ça. C'est ce truc là ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Champ piscible, mais je peux pas. Faut que je trouve. On est d'accord que. Salut. New creature discovered. Piper Arctic. Ah, je peux. Ok. Ah oui, j'ai une barre d'action comme dans. Enfin, une barre d'inventaire rapide comme dans Minecraft. Très bien. Ah oui, il y a un cycle jour-nuit. Ah bah ça y est, on voit le. Bon. Est-ce que je devrais pas aller là-bas à un moment? Je vais bientôt avoir faim. Viens là, toi. New creature discovered. Poisson collier. Ma seule référence, bah oui. New creature discovered. Oula. Je doute que ce soit une bonne idée. Ah ouais, je peux pas le perdre le truc pour l'instant. J'ai la balise, tout va bien. On va faire le plein de pochons. D'un peu tout ce que je trouve, hein. On va apporter la démocratie à cette faune. D'ailleurs, je devrais faire un petit peu plus attention à ce qui se passe. Une bête qui vient de crier, c'est moi. Oxygen. Je suppose qu'on ne meurt pas instantanément. En cas de pas d'oxygène, on perd de la vie en fait. Manger quelque chose, ouais, j'ai le truc cuit. Comment je fais ? Il est où le machin cuit ? Ah, ça pourrit. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ok, un peu d'eau. Très bien. Oh là là, ça fait du bruit. Hein. Qu'est-ce que... Hein ? Oh, c'est trop bien fait. Non. Ramasser de la neige. Bois vert. Ah bah d'accord, on peut... Très bien. Faire des boules de neige et les lancer.
Ouah, je prends cher au niveau température. Vite. Les plantes chauffantes. Voilà. Y'a pas des trucs à ramasser par ici? Les effets environnementaux sont plutôt bien fichus. Hein. Oh, rien à ramasser. Et par là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tant d'exploration à faire. Oula, oula. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est là que je me suis crashé. Idiot! Le poisson rouge, quoi. Je reviens à mon point de départ. Oh! Il s'est passé quelque chose. Hey! Bloc nutritif. Et en fait, les items se... Ah non, ça ne se stack pas. Enfin, en tout cas, pas tout ça. D'accord. Quelqu'un est passé par ici très récemment. C'est ça, il y a des traces de vie par ici. C'est ma main coupée. Allez, on va farmer un petit peu de ressources. Et voir avec quoi je peux faire ces fichus outils. Du cuivre. Du cuivre. Du titane. Oxygen. J'arrive, j'arrive. En tout cas, l'immersion est absolument immédiate. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Elle chauffe les fleurs là. Ouais, 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 elle remontait ma température. Bon, je vais me faire un peu plus de bouffe parce que j'ai besoin de... Ah, mais tant qu'ils sont pas cuits, ils périment pas en fait de ce que j'ai vu. Je comprends bien. On va en faire au moins deux des bouteilles d'eau quand même. Dans 2 heures, il n'y a plus de poissons sur la planète. Et quoi ça? Casier étanche, petit stockage qui maintient sa position dans l'eau. Ouais. Je peux faire du verre. Je peux faire du fil de cuivre. Caoutchouc en silicone. Ouais, mais c'est quoi ces vignes d'orin là? Parce que là, je voudrais bien savoir. Alors, je vois à quoi ça ressemble. Faut que je trouve ça. Faut vraiment que je trouve ça. Donc, si c'est pas ces trucs-là, qu'est-ce que c'est? Oh, quelque chose là. D'accord, je peux pas le ramasser. Pas ramasser non plus. Là non plus. D'accord. Oxygen. Oui, 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 j'arrive. Oh là là, elle est haute la surface. Il va falloir que je bouffe. Oh, il y a l'autre là. Il y a un truc marqué là. Une balise qui s'est mise. Bon, je vais forcément bien finir par trouver ces fameux trucs. Ah tiens là, à mon avis ça se ramasse. Ah ouais, mais il y a plein de trucs. Oxygen. Bah oui, il me faut des outils, mais pour créer des outils, il me faut ces fameuses algues que j'arrive pas à trouver.
Je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Et pour l'instant, je peux rien récolter dans les algues et tout. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Oh nice. Ouais, ça c'est quand même c'est là qu'on voit que la map a été faite à la main. Il planque des trucs. On va fouiller, hein. On va voir ce qui est récoltable et ce qui l'est pas. Anémone gueule d'écaille, hein. Ouais. Ah, il y a encore des trucs là-bas. Ouais, il faut de la bouffe. Ah ouais, je vais peut-être remettre les trucs dans le stockage. Non, ça se récolte pas. Peut-être voir si je peux faire des palmes. Calorie intake recommended. Oui, on arrive. Ok, je vais pouvoir boire un coup. M'occuper de ça. Peut-être faire une bouteille d'eau aussi. Au début, la map était procédurale, mais ils ont vite abandonné l'idée pour faire un monde plus cohérent. Ouais, je suis pas contre ce genre de truc d'ailleurs. Ah d'accord, je peux faire des piles maintenant. Bah donc de toute façon, je peux encore rien faire en termes d'équipement. Là, il me faudrait du titane et de la maille de fibre. Vigne d'orin, ok. Et pour les palmes? Merde. Et pour les palmes, caoutchouc en silicone, donc de nouveau, c'est ces fameux trucs. Ok. Vital signs stabilizing. Hop. Ah, c'est pas escape qu'il faut. Faudra le temps que je m'y fasse. Alors, quelle est la touche pour aller? Ok, c'est shift. Je vais garder ça. Escape, on a dit. Allez, trouvons ces foutues algues. Ils vont me permettre de faire du silicone. Ces trucs-là, est-ce que ça se... Vigne d'orin, mais c'est ça. Mais je peux pas la récupérer. Alors, il doit bien y avoir un moyen pour prendre ces vignes, du coup. Puisque c'est ça qui me permet de fabriquer le couteau. Il me faut pas le couteau pour la couper. Donc, il doit y avoir un moyen de la récolter. Pourtant, j'ai beau faire clic, rien n'y fait. Il te faut le couteau. Mais pour avoir le couteau, il me faut ça. Ah, il y a un truc que je pige pas là. Il y a un truc dans la boucle que je comprends pas alors. S'il me faut le couteau pour ça. S'il me faut le couteau pour ça alors que c'est ça qu'il me faut pour avoir le couteau, il y a un truc que je comprends pas. Attends. Graines de vigne d'orin. Voilà le truc. Je trouve les graines. Donc il faut trouver une algue comme ça, avec une partie un peu recharge. Quoi? Recharger l'oxygène. Comment ça? Faut que je trouve une qui a des bouts un peu rouges. Au moins, je sais ce que je dois chercher maintenant. Il y en a plein, en fait. Là! Oxygen. À tous les coups, c'est ça. C'est les plus grosses, en fait. Des testicules des mers! Je peux pas les ra... Tu te fous de... Ah, c'est bon. New blueprint. Ok, il suffit de les cueillir. Simplement, faut trouver Lightbox. Pas toujours évident. Ah ouais, d'accord. C'est un peu bizarre. Allez.
Voilà, parfait. Ok, donc on peut pas les louper, hein. C'est vraiment les grands trucs comme ça. D'accord. Alors du coup, allons-y pour le couteau et voir ce que je peux récolter avec. Et peut-être des palmes si je peux. Enfin, je sais pas à quel point je peux faire des matériaux. Alors en tout cas, je veux ça. Voilà. On va en faire un max. Et je peux faire quoi là? Du lubrifiant. Bon, on va pas trop... Ok, ben le couteau déjà. Et quoi d'autre? Franchement, les palmes... Ouais, les palmes, je vais prendre. Ça me permet de me déplacer plus vite, j'imagine. Peut-être de sprinter dans l'eau, je sais pas. Alors, ensuite, les bouteilles d'oxygène. Titane et maille de fibre. Et maille de fibre. Échantillon de vigne d'orin que je récupère avec le couteau, j'imagine. Alors, en termes d'équipement. Ok, il m'a mis les palmes automatiquement. J'ai encore des graines, super. Donc. Ouais, en fait, je vais simplement plus vite avec les palmes. Très bien. Donc maintenant, je vais couper des vignes. Avec le clic droit. New blueprint synthesized. Oula. Je ne te veux pas de mal, petit bonhomme. Mais faut... Mon couteau, saloperie! Grabby. Reviens ici! Il est jouette le truc, mais il me pique mon couteau. Sale bête. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça. Alors la bouffe, ça va. Donc là je peux me faire une bouteille d'oxygène. Ah, déjà ça. Un kit de soins ou ça? Ah oui, du titane, j'en ai. Titane. Attends, je vais prendre tout. Ah, ça prend plein de place dans l'inventaire, les fameuses graines. Réservoir d'oxygène standard, parfait. Est-ce que j'ai intérêt à me faire un kit de soins Je sais pas moi. Ah, on peut se faire plusieurs bouteilles. Alors, qu'est-ce que je peux me faire d'intéressant maintenant? Équipement, outils. Lampe torche, il faut des piles et du verre. Fusée éclairante. Poche d'air, dispositif de flottaison d'urgence. Une réaction chimique produit un gaz plus léger que l'air pour une flottabilité personnelle plus rapide. Ah ouais, pour remonter à la surface très très vite. Scanner, piles et titane. Apparemment, il faut de toute façon des piles. Plante à ruban et minerai de cuivre. J'en ai. Qu'est-ce que... Ah, faut le prendre. Eh ben, prends-le. Eh ben... Prends-le. Pourquoi je le prends pas? Pourquoi je clique dessus et je le prends pas? Allô? Au secours, le chat! Comment je fais? Ah, j'ai pas de place, couillon. Bah oui. Adding additional blueprints to your data bank. Ah, des nouveaux blueprints. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Alors attendez, parce que là, du coup, ah bah oui, bah il les a mis là quand même. Réservoir d'oxygène standard, 30 secondes d'oxygène. Alors, dites-moi un petit peu, il se régénère comment? Vous pouvez me spoiler ça. Il se régénère comment? Est-ce qu'il se régénère tout seul quand je reviens à la surface? Ouais, c'est auto, ok. Ok. Parfait. Alors, spoilez-moi un autre truc. Tout ça... Oh, ça périme? Donc il faut que je les transforme tout de suite, en fait. Ça n'a pas d'intérêt que je les garde dans mon inventaire, ces trucs. Ah, il en faut deux, mince. Ouais, je les garde pas, quoi. Ouais, je transforme tout. D'accord. Alors, donc on disait une pile. Merci Coran pour les 3 mois.
Merci Tirmax et Terrazoul. Je sais pas si je l'ai dit. Je suis tellement absorbé par le jeu là. Merci beaucoup à tous les subs. J'en ai peut-être loupé. Je suis désolé si c'est le cas. Je suis un peu absorbé. Du coup, scanner, j'imagine que. Outil de réparation, d'accord. Ah, c'est nouveau ça. Soufre cristallin. Et alors ici, des Toyo. Une chaîne de Toyo qui peut être utilisée pour transformer de l'air, de transporter de l'air respirable depuis une pompe. Pompe à air flottante. Oh, ça y est, on est déjà en train de nous préparer à partir dans les profondeurs. Boussole. Faire le scanner d'abord. All right, I have a scanner. D'accord. All right, I have a scanner. Ouais. La bouteille d'oxygène standard peut être améliorée pour vous permettre une oxygénation de luxe digne d'un VIP. Ajoute un schéma additionnel à votre demande de données. Ouais, d'accord. D'accord. Eh ben, tout ça m'a l'air très bien. Outil de réparation. Outil de réparation polyvalent fonctionne dans tous les environnements. De réparation, oui. Ah, la pile peut se vider apparemment de mon scanner. Alors... Que fait-on ? Ah oui, mon oxygène diminue beaucoup moins vite. Très bien. Bon, j'imagine que j'aurais peut-être encore besoin d'un petit peu de ça, non ? Ah ouais, mais mon inventaire va beaucoup trop souffrir avec ça. Non, non, faut que j'aille remettre au stockage. Et oui, mais alors ça sert à quoi ? D'accord. Lancéole rose. Et alors ce truc ? Cette espèce ressemble à de l'herbe poussant en petite colonie près des ponts. Et du coup, si je le scanne, ça me dit pas nécessairement ce que je peux faire avec. Je suppose que je vais découvrir des nouveaux crafts. Là, j'en ai pas découvert. Échantillon de corail... Ben si, ça c'est nouveau. Échantillon de corail plat. Oh, trop bien. Et quoi, du coup, je peux récolter ça? L'expérimentation scientifique. Ah bah oui, l'inventaire qui est plein. Ouais, je vais d'abord... Je peux faire aussi du verre. Alors, on va crafter tout ça. Là, ça prend moins de place aussi vu que ça prend deux quartz pour faire un de verre. Mais du coup, je pourrais faire une deuxième bouteille d'oxygène et avoir du stock. Valoir la peine ça. Enfin, pour l'instant je vais continuer à farmer tranquillement. Ok. Alors quelle est la prochaine étape? Prochaine étape, je dirais que c'est le fabricateur là, le réparateur. Il me faut du soufre cristallin, du titane, du caoutchouc en silicone. Donc tout ce qui me manque c'est le soufre cristallin. Et on va en profiter pour aller scanner un petit coup. Okay.
quoi ça? Ah non, il n'y en a plus. J'ai tout pris. Attention à mon oxygène quand même. Oxygen. Yes. Ouais, donc en fait, ce système de tuyau qui va me permettre d'amener de l'air plus vers les profondeurs, ça va être assez indispensable en fait. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est chill en tout cas. Ah, je peux scanner les matériaux aussi. Ça sert aussi de récolte. On peut s'en servir comme d'un piolet, voilà, rien à foutre du matériel. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça hein? Quoi? Plante à recharger l'oxygène. 30 seconds of oxygen remaining. Ça a rechargé un petit peu mon oxygène et je peux... Oh! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah, d'accord. Oui, je remonte. Ouh là là! Oh là là, je suis bas! Oh! Il me faut deux bouteilles d'oxygène. Oxygen. Oui, oui! J'arrive, madame! Discan? Vite! Ah! C'est bon. Oh là là, ça peut très très vite mal se passer quand même. Je veux une deuxième bouteille là, c'est officiel. Je veux une deuxième. Mais non, c'est calculé. Oh, arrêtez un petit peu de faire les rabat-joie quoi. Ok. Donc ces trucs là c'est vraiment dans les grottes. Bon à savoir. Mais alors la deuxième bouteille d'oxygène. Par contre j'ai scanné un truc. La pièce de matériel. Et il y en a d'autres des pièces de matos. Il faut que je les scanne du coup. Ah par contre la pile apparemment ça tient longtemps. De ce que je vois pour le scanner. Alors pile, non, pas forcément. Ça, il va me falloir. Ça, il va me falloir à un moment donné. Hein. Alors, du titane. Est-ce que j'en ai encore du titane? Pas vraiment. Je vais avoir besoin d'un petit peu de bouffe aussi. D'ailleurs, on va boire un coup. Manger un... Oh! Ah ça remet à fond quoi. Je m'arrête là pour pas me spoiler, tu m'as donné envie de le tester. Bah ouais, ça a l'air trop bien. Nourriture séchée. Avec un dépôt de sel. Oh, d'accord. Alors attendez, dans les crafts. Il a découvert des trucs, non? J'ai récupéré une pièce d'équipement, qu'est-ce que je peux en faire? Oh oui, d'accord, si je scanne suffisamment de trucs, donc si je scanne 3 pièces comme ça d'aquatracteur, je vais pouvoir me le fabriquer, c'est ça? Oh, trop trop bien ça! Merci Joliash. Merci pour le Prime. Bienvenue. Mais ce que je voulais, c'est une deuxième bouteille d'oxygène, en fait. Avant tout. Merde, c'est du titane qu'il me faut. Voilà. Alors du coup, cette deuxième bouteille d'oxygène, ok, d'accord.
Je peux me faire quelques tuyaux du coup. Alors, je sais pas jusqu'où ça peut aller, on verra. Donc du soufre cristallin qu'il me faut, que j'ai toujours pas pu trouver. Ok, donc faut que j'explore pour trouver à nouveau du... Ah oui, j'ai trop... trouver à nouveau... Bon, des ressources de toute façon, il va m'en falloir plus. D'accord, donc le réservoir d'oxygène est là. Oui, mais il a pas l'air plein. Il a pas l'air plein en fait. Attends, il est plein ou il est pas plein? Non, il est vide. Faut que je l'équipe. Ah, c'est ça, faut que je l'équipe. Il se remplit et ensuite je pourrai le changer sous l'eau. Voilà, comme ça j'ai un truc de secours. Alors, scannons. Il y avait des pièces. Il y avait des pièces, des choses à scanner. Faut que je scanne. Consanguin bilatéral. Merci. Jack Tanner pour les 300 bits. Au boulot, peut pas suivre le live. Un petit sondage pour la dernière mort. Sur ta dernière mort. Quoi? Ah, ta première mort, pardon. Je vais pas mourir. Vous allez voir ce jeu. Moi, je vais tout faire d'une traite sans jamais mourir. C'est garanti, ça. Vous êtes inquiet pour rien. Bah alors. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, ça tient tellement zéro l'oxygène. Fais des saves de temps en temps. On peut faire des saves? Ah oui. Ici, vu comme ça descend, ça pourrait être pas mal d'y placer cette fameuse pompe. Et de voir ce que ça donne. Ah là, il y a une réserve d'oxygène, tiens. Il y a un truc là. Oh, du sel! Fragment de bête véhicule motorisé numérisé, 1 sur 3. Encore un truc différent? Cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ouais, mais je vais aller chercher warning. Ce truc. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Platine de corail. Ouais. Bon, ça va, j'ai ma deuxième bouteille d'oxygène, je m'en fais pas, même si je suis assez profond. Oui, t'inquiète pas. Arrête de flipper comme ça, tout va bien se passer. Hop là. C'est good. Je prends pas de risque. Attention, la profondeur peut me faire du mal? Je peux prendre des dégâts si je suis pas équipé? Déjà, ah oui, c'est vrai que le gars, il passe à 200 mètres de profondeur, il remonte à la surface, il redescend, rien à péter. Ah, c'est juste que je consomme plus d'oxygène, d'accord. Ok. Bon, je pense que je vais tester ma pompe. Je pourrais la déplacer après. Ce vacarme. Hein? Hop là. Alors, le Toyo. Ouais. Bien foutu, hein. Pas évident. Hop. Mais alors du coup. Ah d'accord, suffit que je m'en approche et c'est bon.
Voilà, suffit que je m'en approche et je remonte l'oxygène. Oui. La vache, mais pour retrouver le truc en remontant, par contre, remue-toi. Ok. Au-dessus de la faille. Je suis à 150 mètres du truc. Comment on met une balise? Comment je mets une balise? Comme ça? J'en crée une nouvelle? Ah, ça se craft la balise, d'accord. Je ne le retrouverai jamais. Au revoir. C'est dommage. Non, non, si. Ouais, peut-être que je pense à récupérer de ces fameux poissons qui me permettent de faire des bouteilles de flotte. Est-ce que j'en ai encore? Pas vraiment, hein. Là. Ok, en sortant à droite, à 90 degrés, ça devrait le faire. Donc, on va se faire une bouteille d'eau déjà. Oui, d'ailleurs, faut que je boive. Du soufre cristallin, c'est ça qu'il me faut. Bon, de toute façon, ce qu'il faut, c'est... c'est explorer pour l'instant. Je vais faire ça pour pouvoir descendre plus bas, franchement. Oh, plus de place. Ah oui, et trouver des trucs à scanner pour les véhicules. Alors, on avait dit à droite, donc ouais, c'est par là. Ouais. Peut-être dû en prendre plus des bouteilles d'eau. Là. Hop là. 1 sur 3. C'est encore un truc différent. La vache. Il y en a, hein. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Alors, il est où mon Toyo? Avec ça, je vais pouvoir descendre. Merci Booby Twitch pour les 3 mois. Merci pour la musique chill pendant mon télétravail. Avec grand plaisir. Ah bah ça va, ça se voit assez facilement à la surface. On va pouvoir descendre et chercher des pièces à scanner. Là au moins je sais que si je remonte tout droit, j'ai mon oxygène qui est good. On va pouvoir récupérer tout ce qu'on peut. Summon the electric. Par là toi. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Merci Broxigar pour le prime. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Alors du coup ce truc là. Ah. Alors, tant qu'à faire. 30 seconds of oxygen remaining.
Oh, c'est quoi ça? That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Je suis loin de mon truc d'oxygène. Oh, on s'éloigne tellement vite sans s'en rendre compte. Oxygen. Mais tout va bien. Ok, j'aurais pu aller encore un petit peu plus loin en fait si je voulais. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hop. On va faire se remplir tout ça. Tac. Ouais, c'est quand même bien. J'ai vu des pièces à scanner. C'est trop bien comme jeu. Comment j'ai pu passer autant de temps à ne pas y jouer juste en me disant non, j'ai pas le temps, c'est bon, je vais retourner sur Minecraft. J'aurais tellement dû y jouer il y a tellement longtemps. C'est tellement bien. C'est que ça. Tu veux un pochon? Une raie arctique. Ah mais moi aussi j'en ai une. On est pareil. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 2 sur 3. Tac. Alors, on va reprendre ça. Très bien. Et merci Medea pour les 3 mois. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. On y va. Donc j'étais à 2 sur 3, parfait. Pour ce truc là en tout cas. Hop. Ouais, j'ai plus de flotte par contre, faudra quand même se méfier. Est-ce que j'ai encore de la place dans l'inventaire? Oui. On va encore chercher des trucs à scanner. Il y a pas mal de trucs mine de rien par ici. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, mais il y a tellement de trucs. Et il y a ces espèces de champignons maléfiques là. Je sais pas encore à quoi ça sert. Mais à tous les coups, ce sera très utile. Hop. Table de corail. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Il y en a un là-bas, truc d'oxygène en fait. Pour pouvoir aller un poil plus loin. Ça reste un petit peu risqué. Il y a 2-3 trucs à... Il y a un truc là. Merci Fidelia. 30 seconds of oxygen remaining. C'est un petit peu grid ça, monsieur Mars. C'est un petit peu grid. Non, ça va. Par contre là c'est... Retour immédiat. Merde. Ok, il y a un truc là-bas. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je sais plus où je suis. Non, si, c'est bon, c'est là-bas. Merci Fidelia pour les 3 mois et merci Free Partif pour tes 3 mois aussi. Coucou Maf, quel plaisir de te voir découvrir les profondeurs de l'Omnifion. Certains réservent quelques surprises, il paraît oui. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Alors attention à ma... Non, ça va, la flotte, ça va encore. Ok, il est revenu celui-là. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Alors je vais le laisser comme ça au retour. Au retour, je pourrais le prendre avant de remonter. Il me semble avoir vu d'autres trucs à scanner.
quoi ça? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Non? J'ai rêvé? Je vais revenir à la base. Il y a peut-être d'autres trucs à scanner par là-bas. J'ai peut-être voulu aller un peu trop loin, un peu trop vite. Hop, on va remonter tranquillou. Attends, viens là, petit cochon. Hop. Pratique ces trucs. Quelle ambiance quand même. Et dire qu'il y a moyen d'aller très 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 profond dans ce jeu. Je sais pas à quel point, je sais pas quel est le fond marin, mais je sais que c'est très profond. Vraiment de quoi faire en termes d'exploration. C'est trop bien. Je vais pouvoir faire de la viande séchée, donc j'imagine qu'il se conserve plus longtemps. Inventaire plein. Ouais, on va explorer un petit peu autour. Je devrais pouvoir trouver des trucs. À scanner. Picked up what sounds like a distress call. Who or... Source estimée à une profondeur d'approximativement 200 mètres. Oh, c'est pas du tout flippant. Pas du tout flippant. That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Seek fluid intake. Ok, je vais en profiter pour boire un coup. Vital signs stabilizing. Ah, il m'en faudra même encore plus de la flotte en fait. Dans le 1, on peut aller beaucoup plus profond. Ah oui? Mais dans le 2, il y a plus d'exploration terrestre en fait. Ça qui change beaucoup, je crois. Toujours pas trouvé de soufre cristallin, ça doit être moins loin de la base en vrai. J'ai voulu aller vite, assez profond je pense. J'ai plus de place. Bon, je vais chercher des choses à scanner, hein, du coup, par ici. Ah ouais, capturer quelques pochons aussi, pour la flotte. Téléphone. Attendez. Ça c'est bon. Ouais, on peut faire des stockages additionnels, je sais, mais... J'ai pas encore le schéma, je crois. Merci, Jigjig TV pour les 6 mois. Déjà, 6 mois déjà, la cousine commence à ressembler à une Madeleine, mais tout va bien. Une Madeleine. Une Madeleine de Proust. C'est le bon temps des cousines. 30 seconds of oxygen remaining. Peut-être que je dois retourner un peu sur la terre ferme. Pour explorer en fait.
Ah ben voilà. Sea Glide. Sea Glide, c'est pour aller plus vite quoi. C'est le petit truc qu'on met devant soi et avec une petite turbine et hop, on peut se faufiler partout beaucoup plus vite. Inventaire plein déjà. Ah ouais, j'ai beaucoup trop de trucs. Je vais voir si je peux faire du stockage. Se retenir de backseat sur un jeu qu'on a poncé comme jamais est un combat de tous les jours. Oui, j'imagine. Ça doit être relativement insupportable. Écoutez, on est là pour passer un bon moment. Tout va bien. Dis-toi que je suis en train de revivre tes premiers instants. La magie de la découverte. Oui, pile lubrifiant, fil de cuivre. J'avais fait du lubrifiant, je pense. Je me suis dit, c'est un espèce de réflexe. Je me suis tout de suite dit ça. Ça peut servir. Obligatoirement. Oh, c'est si bon. Alors, donc on disait lubrifiant, je sais pas moi, alors qu'est-ce qu'il me faut, une pile, du fil de cuivre, je pense que je peux faire les deux, je peux faire une pile, je peux faire du fil de cuivre. Alors ce qui est bien dans ce jeu aussi, mine de rien, c'est que la fabrication des différents éléments ne prend pas 8 milliards d'années. Et ça, c'est tellement cool. The Sea Glide is a personal transportation device. Mais à véhicule mobile. High speed free diving. Contains a built-in light and map. Ça prend pas 10 000 ans pour pouvoir crafter les... Wouah! Il y a même carrément la petite map. Ouais, par contre, c'est pas giga lisible. Regardez, il y a une faille de profondeur là. Ah, je peux désactiver la carte. Cool. Ouais, ça va quand même bien plus vite. Oh, quel plaisir. Là! Ah mais c'est pour Sea Glide, donc ça va plus rien me donner, ça. Ah, il fait beau. On pourrait presque retourner au truc. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Par contre, quand tu auras ton Sea Glide, pense à faire des triple A, parce que sinon c'est un peu caca. Des triple A. Hein? Allô? Je cherche des trucs à scanner. Eh hey, mais maintenant du coup je peux remonter à la surface. Tellement plus vite. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah ouais, passer d'une source d'oxygène comme ça à une autre, bien plus facilement aussi. Je suis à combien là? 130 mètres de profondeur et je continue à descendre. C'est pas une bonne idée ce que je fais. Il y en a partout en fait, des trucs à oxygène. En fait ça va une fois qu'on a le slider. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, comment je me débarrasse d'un truc?
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ouais. D'accord, je suis dans une grotte. Ok, là, il y a un truc. Et j'ai encore une bouteille pleine. Il y avait quelque chose. Ça. Qu'est-ce que c'est? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. De l'or, mais j'ai de l'or dans l'inventaire. Ah, ça se recharge assez vite en fait. Il est tombé où l'or? Merde. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. D'accord, il y en a encore un là-bas. Ouais, va vraiment falloir que je fasse du stockage. Mais qu'est-ce que... C'est censé être quoi ces machins? Parce qu'on dirait presque les tentacules d'un... Un espèce de corail géant. Oh la faille. Oh, je me sens pas bien. Non, ça quand même, c'est pas... Oh, j'aime pas ça. Le truc qui... Quoi? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Un poste de recherche. Ou de l'oxygène. Oxygen. Ok, je sors le... La bonbonne, mais là il me faut des trucs. Là il y en a un. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Racasse, t'es trop stressé, détends-toi. Ok, on va remonter gentiment vers la surface. C'est pas du tout flippant. Dans des grottes sous-marines. Ah, il y a un truc là. Ok, allez, fonce à la surface. On fait le plein d'oxygène. Oxygen. Et je redescends tout droit pour pouvoir scanner le truc. All terror beacon signature detected. Signal de balise détecté. Quai de la station Delta. Delta station. Ok, ah bah, il y avait un truc là. Ah bah, Chris Lil mentioned in her message. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oui, ça y est. L'aquatracteur. Et alors ça? À quoi tracteur, c'est la même chose. New technology acquired. Sea Glide. Ok, il y en a partout en fait de tous ces trucs là. Parfait. Eh ben bonne session d'exploration. C'est vrai que le jeu est très... Pour ça, c'est vraiment très cool. Hein. La moindre session de... Ah mais c'est l'autre truc. La moindre session d'exploration, c'est tout de suite plein de choses qu'on découvre, qu'on débloque et tout. Et ça progresse assez vite. C'est très agréable. Station Delta. Non, je vais commencer par aller à mon truc. On va faire l'aquatracteur machin là. Faire de la place dans mon inventaire. Et puis je vais de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une structure posée par l'homme. Avec un câble électrique. Probablement quelqu'un qui faisait charger son iPhone. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un petit... machin. Y'a rien à faire avec tout ça? Ah oui, mais d'accord, on peut monter. Attendez. Laissez-moi monter. Y'a une échelle. Là. Mais non, mais monte! Détecteur de minéraux. Hop là. Une machine à café! Oui! On est sauvés! New blueprint synthesized. Attends.
bureau scanner, mais la machine à café, je peux pas. Et ça? Ouvrir la caisse de ravitaillement. C'est quoi, une fusée de détresse? Ah yes. Bloc nutritif. Ah merde! L'hypothermie! Heureusement que l'eau est... Dans l'eau, il fait bon. Hein. L'exploit est toujours super agréable. En vrai, quand tu plonges dans la profondeur, je flippe, c'est terrible. Non, mais c'est le système de progression que je trouve génial. Qui n'est ni trop lent, ni trop rapide. C'est vraiment très fluide et c'est super agréable. Parce que c'est un peu le problème de certains jeux de survie. Où, en gros, tu découvres un certain nombre de trucs. Et à un moment donné, t'as un espèce de palier comme ça. Et qui arrive très vite dans certains jeux. Où le jeu, en gros, te dit... on espère que tu as apprécié cette première heure de découverte. Maintenant, va farmer pendant 45 heures pour pouvoir atteindre le palier suivant. Et ça, c'est ultra frustrant. Arc, oui, bien sûr, en tête. Recycleur, conserve l'oxygène en plongée plus profonde. Absorbe et recycle le CO2. Ok, c'est pour pouvoir consommer moins d'oxygène quand je plonge, j'imagine. Détecteur de minéraux, détecteur de proximité servant à trouver des matériaux, des fragments et d'autres objets disposant d'une signature identifiable. Ah, amélioration. Amélioration de l'aquatracteur. Amélioration de profondeur marque 1 de l'aquatracteur. Augmente la profondeur de plongée maximale. Lingot de... Plastacier. Batterie, ok. Deux piles et du... Oui. Des lingots de titane maintenant que je peux faire. Alors du coup... ouais mais... Il est où le... L'aquatracteur. Il est où mon aquatracteur? En fait, c'est ça, il faut la baie à véhicule. Mais ouais, mais ingrédient inconnu. Ingrédient inconnu? Et du coup? Matériaux avancés, fibres synthétiques, rubis. Ouh, il y a beaucoup de choses. Il me faudrait du stockage, moi, en fait. Hein. Casier étanche, oui, mais... Allez, je veux bien en faire un pour tester, mais c'est un truc qui flotte. Est-ce que ça va vraiment m'intéresser, ça? Par contre, lingot de titane... Kit de câblage qu'il me faudrait. Le recycleur, c'est pas déconnant. Kit de câblage, minerai d'argent. Ah, j'ai pas. Mais alors, j'ai pas du coup le schéma de stockage. Électronique, nourriture et boisson, équipement, outils. Mais il me faut ça aussi. Mais soufre cristallin, j'en ai toujours pas trouvé, dis donc. Ah, je devrais faire ça. Pile, titane, fil de cuivre. Oui, ça c'est faisable. Ah, d'accord! J'ai pas encore tout scanné! D'accord! J'ai pas encore scanné assez pour ce truc. C'est tout simplement ça. Alors, le détecteur de métaux, du coup. Pile et fil de cuivre. Du cuivre. Donc outils, attends. Fil de cuivre. Et pile. Et détecteur de minéraux. Je vais me pisser dessus. Potentially saving you hundreds of hours of searching.
Ah. Plus de musique. Allô. Alors, détecteur de minerais, c'est ok. Du stockage supplémentaire, c'est ok. Alors, du coup, si par exemple je le mets à côté de la base. Ah, il ne remonte pas. Récupérer. Mais non, je veux pas récupérer. Ah, ok, faut viser le dessus pour pouvoir. Oh, c'est tout petit. Attends. Je comprends bien ce que je suis en train de comprendre. Il me faut de l'eau. Récupération impossible. Ah d'accord, tant qu'il est plein, je ne peux pas le... Parfait. Il me faut de l'eau. L'eau, ça part vite. Salut à ceux qui rejoignent. Bienvenue. Pour cette petite journée chill. De Subnautica. Je me régale. Jusque là, je me régale. Alors, le détecteur de minerais, comment que ça marche? Sélectionner précédent. Morceau de calcaire. Donc là... Ah, minerai d'argent. Mais trop bien. Or, quartz, galène. Chercher un apport en fluide. Attends, et comment ça marche? Comment tu fonctionnes, petit bonhomme? Affleurement d'argentide. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hein? Pas sûr d'avoir du gombré. En fait, c'est un No Man's Sky sous l'eau. Pas tout à fait, c'est pas procédural. Soufre cristallin, bah voilà, c'est ça que je veux. Mais je sais pas, en fait, il va me... À un moment donné, il va se mettre à biper ou quoi, mais est-ce que... Alors, dites-moi, est-ce que je suis obligé de le tenir dans la main? Parce que genre là, je l'ai réglé sur soufre cristallin, qui est-ce que je cherche? Mais du coup, si je prends le Sea Glide... Il va pas... Le détecteur marche plus. Il faut le tenir. Ouais, il a l'air de détecter à... Pas très loin, quoi. C'est pas génial. Parce que là, par exemple... Ah. Ah, d'accord. Voilà comment il marche. D'accord. Ouais, mais c'est quand même proche, quoi. Fragment. Ah, les trucs à scanner. Ça marche aussi. Trop bien. Dans ce cas, allons-y. C'est ce qu'il me faut pour pouvoir avoir la station pour construire les véhicules. All Terra supply cache nearby. Oh, 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 oh. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. Hein. Peut-être qu'il y a moyen de l'améliorer pour avoir... Ah oui, mais c'est le Sea Glide encore. Peut-être qu'il y a moyen de l'améliorer, le truc, pour avoir... plus de trucs. Bon. Pour avoir plus de portée. Ouais, c'est pas top. C'est pas foufou, hein. Oh mince, j'ai soif à ce point-là, moi. Vital signs stabilizing. Ouais, je prendrai le bloc d'une traitif plus tard vu que ça remonte énormément. Merci, tonton Ritonange, pour les 5 mois sous l'océan. Allez.
On va voir ce qu'on peut trouver par là. Quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que... Ah! Et il m'a foutu les boules, ce con! Hé! Mais! Il m'a tellement foutu les cons, ce perroquet de Sibérie. On l'a trouvé, c'est le El Famoso perroquet de Sibérie. Toi, si tu me piques mon Seaglide, mon gars. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Mais il m'a attaqué, il m'a agressé sans raison. Vous avez vu ça ou quoi? Je sais que c'est de faune. C'est loin quand même ce truc. Quand même que je reste attentif. Ah. Ah non, Seaglide encore. Mon Seaglide a moitié d'énergie. J'ai encore bien assez pour pouvoir rentrer. Oh, c'est quoi ça? Hydrothermale. Oh, il y a plein de choses. C'est un nouveau biome, ça. Passage à oxygène. Oh, j'aime pas ça. Oh, les cris qui viennent des profondeurs, c'est pas pour moi. Oh, je suis tordu. Ça suffit. Qu'est-ce que je peux faire avec cette... Je veux rien savoir. Oh putain, qu'est-ce que c'était? L'échelle. L'échelle. Oh. Oh putain. Non. Mais comment je reviens? Je suis coincé. Je suis coincé dans la structure. Je suis coincé dans la structure. Je suis coincé dans la structure. Je peux plus rien faire. Attendez, il y a une touche pour s'accroupir? C'est quoi la touche pour s'accroupir? Monter, descendre, avancer, reculer, se déblayer. Merci la ruine pour les 500 bits, petite matinale dehors en attendant que Carglass finisse de changer mon pare-brise. J'y étais il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un caillou dans le pare-brise. Bangs! Bah, bonjour Carglass. Y a pas s'accroupir. C'est? Non. Je ne peux ni avancer, ni reculer, ni aller à gauche, ni aller à droite. Ok. Donc comme j'ai pas sauvegardé, je vais perdre quoi si je dois charger la sauvegarde après, avant? Utilise ton inventaire devant. Merde. Oh putain, comment je peux me sortir de là? Bourre, mais je fais que ça.
Mais je vais perdre tout mon matos. Intake recommended. Oh, quelle angoisse! Mais non, quoi, je vais pas mourir parce que je suis bloqué sur cette putain de truc. J'essaye, je fais tout. Non, sauter, ça ne marche pas. Non, je vais crever là parce que je suis coincé. Eh bah super. Eh bah super! Le meilleur jeu du monde! Voilà! Non, c'est bon, je vais crever. Non, j'ai essayé le Seaglide, j'ai tout essayé. Et ben voilà. Très bien. Super. Ouais, mais cette mort-là, elle compte pas, hein. Oh, se retrouver coincé par le jeu. Hein? Je récupère tout mon inventaire? Ah, j'ai perdu quelques objets. Bon, alors tout est pardonné. Mais quel enfer quand même. Va me falloir de quoi bouffer. Et va me falloir de quoi boire. La vache, il faut qu'on se retape le trajet à l'envers. Enfin, le trajet. Mais chier, on y était, je voulais pouvoir découvrir ce qu'il y avait, moi. Un pochong. Il me faut un pochong. Petit pochong. Summon the Elector Counts. Faut des pochons, moi. Merci le Tunus pour les 3 mois. Des bisous, mon petit abo gratuit payant pour toi. Merci beaucoup. Ah voilà. Hop là. Faut que je recharge mon Seaglide par contre. Alors comment qu'on fait ça? Avec des piles, je suppose. Ah oui, plante à ruban. Alors, et donc, je prends ma pile. Comment que je fais ? Comment on fait ? R avec l'objet en main. Ah. Genre là et... Ah oui. Ah d'accord, donc je peux changer vraiment la pile quoi. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je peux désactiver le truc pour qu'il n'utilise plus la pile. Ok, donc là j'ai simplement une pile de rechange sur moi quoi. Très bien. Bon allez, je veux une bouteille d'eau et puis on y retourne. Peut-être qu'un peu, un petit peu plus qu'une bouteille d'eau. Qu'est-ce que j'ai plus? J'ai mon couteau, j'ai mon scanner, j'ai mon Seaglide, j'ai mon détecteur de minerai. Bah j'ai un peu... Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je ferai une sauvegarde avant de repartir par contre. Ça va, j'aurai assez de bouffe large pour y aller. Mon scanner, j'ai bien assez de batterie. Il consomme pas beaucoup, lui. Ok. C'est parti. Alors, c'est où? Là-bas.
Combien de bouteilles d'eau finalement? Une seule. Peut-être un peu peu quand même. Je vais en prendre une deuxième. Si je trouve un pochon. Oui, oui, attendez, attendez. Ah, bouteille d'oxygène. Non, si, j'ai toujours mes deux. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on sait ce qui nous attend au moins. Oh, comme il me flippe l'autre. Mais le fait qu'on n'ait pas d'armes. Quel enfer. Attends. C'est pas le même truc. Il y en a deux. Consanguin bilatéral. Celui-là est plus près. On va vers le plus près. Attends. C'est lequel qu'on a fait? C'est celui-là ou c'est l'autre? T'es mort à Delta. Ok, alors je vais à celui-là. Ah, oh, sous la glace, si c'est pas flippant ça. Les mecs qui plongent sous la glace. C'est des malades. Et ceux qui plongent dans des grottes sous la glace. C'est pas un... Mais si c'est un animal. Un wolf. Mais non, fous le camp! Mais salon! Ah! Ah! Oh putain! Qui m'a fait ça? Attends, ça rend de l'oxygène ce truc. Ah, mais bordel! Attends. Qui m'attaque? Alors, oui. Une fusée de détresse, oh oui, au secours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kit de soins, ouais. Est-ce que ça me permettra de... Hein? Est-ce que ça me permettra de ne pas mourir coincé sous une structure? Schéma. Oh, oh. Merci Marbrak pour les 14 mois. Bon. Ça faisait longtemps, mais toujours heureux de te retrouver. Merci beaucoup. Ben, bon retour parmi nous alors. Oh, un truc à scanner. À scanner ou... Ah non, c'est une caisse. Bloc nutritif. La flotte. Okay. Oula, qu'est-ce que c'est? J'aime pas. C'est... Oui. Nid de singe de mer. Oh, ça va, le jeu me remet une petite musique. Musique tranquille. Quoi? Fragment de baie à véhicule. Nouveau schéma synthétique. Oh, nice! Ah, ben voilà! C'est parfait! Est-ce que ça se casse ça du coup? Quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais!
Putain! Oxygen. Je veux sortir. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh mais ces angoisses! Oh là là! Oh, dire que j'ai promis qu'on allait faire Alien Isolation la semaine prochaine. Oui, meilleure idée. Super, j'ai hâte. J'espère que vous êtes chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf. Mais qu'est-ce qu'on en fait des œufs? Ah. Détente et exploration qu'on avait dit. Oui. Entre les requins de leur mort. Enfin, je sais même pas si c'est des requins ou si c'est autre chose. Il m'a tellement foutu les boules, l'autre. Viens là, toi. Hop là. La silence des profondeurs. Oui. Va falloir des piles pour tout ça. Alors. Shut up, demon. Lingot de titane, je sais que je pouvais en faire. Du lubrifiant, des circuits intégrés. D'accord. Alors, c'est parti. Merci Maître Gobelin pour les 5 mois tiers 2. Du titane. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. De l'eau désinfectée. Quoi ? Filtrée en utilisant une membrane entièrement organique, non végétarienne. Sans micro-organismes. Quoi ? H2O plus 25, H2O plus 35. Titane. Tiens, mange ça. Alors. Donc on disait... Lingot de titane d'abord. Lingot de titane. Ensuite. Lubrifiant. Lubrifiant, c'était quoi encore? Ah ouais, des graines. Est-ce que j'en ai encore ça? Merde, il y en avait plein là-bas sur le chemin. J'en ai peut-être encore là-dedans. Nope. Ok. Non, pas la pile. D'accord. Eh ben, on y retourne alors. Enfin, c'était sur le chemin, j'ai pas besoin d'aller jusque là-bas. Summon the Elector Counts. Merci Valiant Wolfson pour les 3 mois. Et vive les cousines. Merci beaucoup. Bah voilà. Pas besoin d'aller très loin. Allez. La hitbox de ce truc, elle est horrible. Sérieux ? Allez. Elle est horrible, la hitbox de ce truc. Je spam oxygen. Le clic, hein. Plus de place? Ah, voilà. Ok, changer la source d'énergie. Tac. Donc j'en ai 4. Summon the Elector Counts.
Merci Ion Hero pour les 9 mois. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok, dernière. Voilà. Je me casse. J'y comprends jamais rien. Si ça se voit ou pas quand je reclaque mon Prime Gaming, en tout cas. Je m'en fais un petit, je profite de quelques. De quelques maffes à l'eau. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, c'est compliqué parfois pour que ça s'affiche ou que ça s'affiche pas. Mais Non, c'est un coup à prendre. Alors. Donc. Du lubrifiant. Et un circuit intégré ainsi que ça. Qu'est-ce qu'il faut pour le circuit intégré? Ah, corail plat, or, fil de cuivre. Alors l'or, j'ai ramené normalement. Summon the Elector Counts. Je l'ai ramené normalement tout à l'heure. Faire ça, sinon ça prend trop de place. Merci Evrox pour les 4 mois. Non, je crois pas l'avoir ramené en fait. Ah, quoique, peut-être dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, modifier le nom du casier. Ok, j'avais cliqué dessus sans faire exprès. Titane, plomb, titane. Non, j'ai pas de... Les œufs de créatures, je sais pas ce que je vais en foutre pour l'instant. J'ai pas... Ah non, je l'ai pas retrouvé, là. Je l'ai pas retrouvé, attendez. Oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse des sauvegardes régulièrement. J'ai pas retrouvé l'or. Donc il me fallait aussi du fil de cuivre. Ok, hein, bah il me manque plus que un d'or et c'est bon. Ah, comment on recharge la pile? Je vais transformer la graine par contre en lubrifiant parce que ça prend moins de place. Merci Shaoran pour les 10 mois. 10 mois déjà et toujours autant de plaisir à te regarder. Continue comme ça, bon courage. Merci beaucoup à toi. Alors attendez, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas... de flotte et de bouffe. T'auras un schéma pour des chargeurs, mais pour l'instant j'ai que dalle du coup. Ok. Bon alors je laisse la pile vide. Ouais, mais faut que je me refasse une pile en fait. Plante à ruban et minerai de cuivre. J'ai des plantes à ruban, je crois que c'est 2. C'est ça. Ok, comme ça je m'en fais une chargée à nouveau. Voilà. Ah oui, mais au fait, attendez. 2 piles et un caoutchouc en silicone. Alors, est-ce que les piles et les batteries sont interchangeables? Enfin, je veux dire, on peut utiliser une batterie sur les mêmes trucs que les piles, mais juste ça dure plus longtemps, c'est ça? Ah non, merde, j'allais le faire. Bon, heureusement que je demande. Alors du coup. Vous entendez ce vacarme?
Ok. Ouais, ça fait ce bruit. Ok, c'est par là que je pouvais faire mon exploration profonde. J'ai plus mon détecteur de métaux. C'est justement ce qu'il me faut pour l'or. C'est la pluie qui fait ce bruit, genre. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon détecteur de métaux? Il est mouru? Ah bah oui, c'est celui-là, idiot! Bon, donc droite, voilà, parti. Je vais retrouver mon truc pour plonger dans les profondeurs. Et on va aller voir. Objectif. Or. Titane, plomb, corail, sel. Lithium, diamant, calcaire, argent, or. Merci d'avoir rejoint l'Omnivion. Ok, bouteille d'oxygène pleine. Ok, c'est ici. Merci beaucoup. Installo Kratos pour les 4 mois. Parti. On dirait des baleines ou quelque chose comme ça. Ok. Pas prendre trop de trucs quand même. Ça avait l'air d'être plus dans les grottes, j'ai l'impression. Les grottes vraiment en profondeur. C'est ici quelque part hein, que je l'ai trouvé. Ah, ah, putain! Ah, mais qu'est-ce que... Oh, je... Oh, putain! Oh. Merci d'avoir rejoint l'Omnivion. Ça, c'est un bruit des enfers. C'est pas possible. Oh, ça me fout la flip. Oh putain. Mais au secours. Merci Eudorine pour les 7 mois. Ah. Meaning. Encore un œuf, non, je m'en fous, moi. Filez-moi de l'or. Oxygène. Non ! Ah, c'est encore de ces trucs de merde. Warning. 30 seconds of mais fous le camp ! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh non 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 non. Là. Quoi, c'était de l'or? C'était de l'or sous mon... Bah il était pas marqué or. Warning. Passing 200 meters. Non mais tu meters. Vas où toi, haut? Oxygen efficiency greatly decreased. Mais non, c'était pas de l'or, qu'est-ce que vous racontez? Attendez, parce que là j'ai plus d'oxygène. C'était pas de l'or, mon scanner d'or il a rien dit. Ah là. Oxygène. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 150 mètres. Oh, je commence à flipper si je trouve pas des ressources en oxygène là-bas. Oh, je suis dans la merde. Oxygen. La grosse merde. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ok, je peux me faire le deuxième et puis après je remonte hein, parce que là je suis trop dans le caca.
Ah, ça y est, ça me détend un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Warning. 30 seconds of oxygen. Oh, c'est un truc gentil. Allez, on y croit, on peut. Pourquoi ça fait du bruit? Ah, j'ai l'impression d'avoir aux fesses! Il fait du bruit que j'aime pas. Ok. Attends. Oh, il y en a deux en plus. Bah, le tuyau, faudrait que je le trouve. En plus, il y avait plein de trucs à scanner. Il y avait beaucoup de choses. Faudrait que je retrouve le tuyau en vrai. Il devait être ici quelque part. Hein. Le voilà. Cherchez immédiatement un apport en fluide. Oui, madame. Vital signs stabilizing. Oxygen efficiency decreased. Ok, j'ai ma bouteille de secours. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là d'ailleurs. Et ici dans la zone, il y en a un peu partout. Je vais en profiter d'ailleurs. Aquatracteur, mais... Ah oui, non, je l'ai déjà. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je vais consommer celui-là et puis après, je vais essayer de trouver le truc. C'est stressant de plonger sans avoir plus de ressources en oxygène. Limite, une troisième bouteille serait peut-être pas déconnante. Alors, est-ce que c'était pas ce machin-là? Peut contenir de l'or. Non, là, ça n'en était pas. Mais ok, c'est ces trucs-là. Peut contenir de l'argent. L'argent, c'est bien aussi. Yes! Mais ce qui m'a perturbé, c'est que le... Non! Moi la paix. Cool. Il y en a partout de ces trucs. Ok. Bon, ça va en fait. Il y a des petites poches d'oxygène un peu partout. Non, oh, là, on est bien là. Oh, par contre, plonger dans cette faille. Oh, c'est toujours plus étroit. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ok, on va remonter. De toute façon, j'ai ma bombe de secours que j'ai pas entamée là. Allez, on remonte, on retourne. Par là. Stream cet après-midi aussi? Oui, toute la journée. Fragment d'aquatracteur. Toute la journée. Enfin, juste une petite pause pour aller bouffer, mais je couperai même pas le stream. Je vous mettrai une petite musique pendant 30 minutes. Je vais manger, puis je reviens. Ouais, on est vraiment là pour... Passer la journée dessus, détente, tranquille. Détente, très très détente. Très très détente. En tout cas, c'est génial. Hein. Moi, je me régale. Merci d'avoir rejoint. Je vais prendre les pochongs.
faire de la flotte au passage. Et ben voilà, une session rondement menée. Merci Gustave Lenny. Merci pour tes 8 mois. Alors, donc on disait qu'on a besoin de ça, donc il me faut juste encore du fil de cuivre que j'ai là. Je fais le circuit intégré. Il est vraiment beau comme jeu en vrai. Salut Addict. Oui. Vraiment. Alors le lingot et le lubrifiant. Clac, clac. Et c'est parti. Pour la baie à véhicule mobile. Parce qu'après il y a de la construction de base et tout. C'est trop bien. Inventaire plein bien sûr. Attends, déjà, je vais boire de la flotte. On va taper ça là. C'est bon là, je peux le prendre? Voilà. Alors, libérer la baie. Ouais, d'accord. Oh, des petits drones. Utiliser la baie à véhicule. Véhicule. Alors, lingot de titane, kit de câblage, du verre, du plomb et une batterie. Très bien. Je crois qu'il y a déjà quelques trucs là-dedans. Non. Pas grand chose d'intéressant. J'ai tout oublié. Il me faut une batterie déjà, donc pile. De toute façon, c'est là en fait, hein. Schéma. Alors, voilà, épinglé. Lingot de titane, kit de câblage. Ok, lingot de titane, kit de câblage. Lingot de titane. Oh, oh, c'est bien ça. Oh, c'est super ça. Kit de câblage, c'est ça. Il me faut de l'argent. Ah merde. Et j'en ai pas récupéré tout à l'heure. Oh, j'en ai qu'un, je dois retourner là-bas. Non. Oui. Parfait. Kit de câblage, 2 de verre. Hein? Ah oui, d'accord. C'est un avancé qu'il faut. Donc il faut partir du kit de câblage et faire un kit de câblage avancé avec un circuit intégré. Donc circuit intégré de l'or, corail plat, fil de cuivre. Donc l'or gelé, corail plat et de quoi faire du fil de cuivre, ça c'est bon. Donc merde, il m'en faut deux. Il y en avait dehors, non? Merci Faofnir pour les 5 mois. Content de te voir aujourd'hui en live. Maîtresse de la mort de Miura. Ah oui. Pas mal de gens sont affectés par cette petite tragédie. Il est vraiment mort jeune, hein, c'est vraiment triste. Juste comme ça au cas où, quand les piles batteries sont à sec, les jetpacks pour les recharger. Oui, oui, je sais. Oh voilà, circuit intégré. Et kit de câblage avancé. Donc il me manque juste du verre et une batterie. Batterie, deux piles et caoutchouc. J'ai mes deux piles, j'ai pas de caoutchouc. Voilà qui est fait. Du verre. Une batterie. Donc pas besoin qu'elles soient toutes les deux chargées ou on s'en fout. C'est vraiment juste deux batteries, ok. Et tout. Bien, notre premier véhicule. Allez là. Donc je suppose que c'est les petits drones qui vont nous construire ça. C'est parti. Oh.
Oui! Oh, je me sentirais mieux dans les profondeurs à bord de ce truc. Oh oui! Trop bien! Oh, ce sentiment d'accomplissement qui m'envahit alors que je n'ai fait que cliquer sur des boutons depuis ce matin. Comment qu'on rentre? Allô? Allô? Ben, comment on rentre? Au-dessus? Yes! Alors, on a les points de vie, je suppose, l'énergie. Du coup, faudra des batteries de rechange. La température. Oui, d'accord. Et pour descendre, c'est C, je crois. Ah, pour descendre avec. Mais pour en sortir... Ah oui, d'accord, je peux faire ça. Comment j'en sors? Il a un stockage, le truc? Non? Comment j'en sors? E ou F? Ah, E, simplement. Génial. Mais alors du coup, ce truc, l'intérêt de ça, c'est quoi? Ça peut contenir de l'oxygène, je suppose. Alors attendez, faut que je vérifie un truc. Dans les schémas. Parce que il me semble que je peux... Déjà, je vais le désépingler, mais il me semble que je peux l'améliorer. Voilà, aquatracteur. Alors, améliore la profondeur. On peut plonger plus bas. Amélioration de l'aquatracteur. Augmente la profondeur de plongée maximale. Augmente la profondeur de plongée maximale. Encore ? Oui, on dirait bien qu'on peut attacher un truc à l'arrière, mais qui viendra du coup plus tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'intéresser à ce truc. Ça là. Soufre cristallin, j'en ai toujours pas trouvé. Attendez, parce que là il me faut... Ce que je veux, c'est une batterie. Je veux une batterie de plus. Ouais, il me faut des piles, il me faut... Bah quoique, est-ce que ça se décharge vraiment vite? Je peux up mes bouteilles? Matériaux basiques, matériaux avancés, électronique, nourriture, équipement. Ah, il y a le recycleur sinon. Non, j'ai rien pour améliorer mes bouteilles. Faut que je trouve du soufre cristallin. On va retourner de l'autre côté. Ouais, mais j'ai plus assez de... Oh là là, il faut vraiment des piles. Il me faut vraiment, vraiment des piles. Alors, piles, il me faut juste un petit peu de cuivre. C'est pour le Sea Glide. Ok. Alors, en termes de bouffe et d'eau... J'ai rien sur moi pour l'instant, je vais me faire de la flotte. Et un petit peu de bouffe. Et puis on repart et on va aller réexplorer le truc de ces morts. Je trouverai bien du soufre plus tard. Mais non, fais pas ça! De l'eau, de l'eau.
Je me désespère. Insauvable. Oui, bonjour monsieur, voulez-vous être sauvé par la lumière de notre Seigneur? Laissez tomber. C'est impossible. Ah, il a une balise automatiquement, lui. Trop bien. Merci pour les 100 bits, pour le misclic. Merci pour votre pitié. Mais les bouteilles d'eau standard, ça part vite. J'ai ma barre de... Ouais, j'ai mon bloc nutritif, j'ai les trucs. Ok, bon, allez, c'est bon. On y va. Et on y va. Oh, c'est trop bien. C'est parti. Oh, c'est si chouette! J'ai touché un truc. Et je sais qu'on peut en faire plein d'autres des véhicules, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc c'est pour descendre. Et F, c'est pour monter, non? Est-ce que ça va plus vite que le Sea Glide, ça, par contre? Est-ce que c'était une bonne idée l'aquatracteur pour le... Oh putain. C'est bon, j'y suis. Pour indiquer les territoires que vous avez traversés. Ok. Balise. Now with surface support. Mais... Une vraie machine à café, il y en a une vraiment. Il y en a une pour de vrai. Je disais ça pour déconner moi tout à l'heure. Oh, désinfecté de nouveau. Et ça, genre, y'a rien. Est-ce qu'il y a des choses autour? Parce qu'on sait jamais. Je vais crever de froid. Ça va, j'ai encore un petit peu le temps. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Tourner dans la flotte pour me réchauffer un petit peu. Oh, ça a l'air de descendre. Oh putain. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh putain, non. Ah. Oh, le furet apeuré. Si ça se trouve, c'est mon véhicule qui frotte avec les vagues contre le sable et moi je suis là. Mais donc il y a aussi toute une partie exploration à faire à la surface. Petite plante chauffante. Donc il doit y avoir une base là-dedans. Oh. Oui. Oh. What?
Par là. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? On peut y rentrer. Faut juste que je trouve un moyen de monter. Oh. Du soufre cristallin. Ça y est. Pourquoi c'est... Oh, oh, oh. On peut tomber là-dedans? Ah, c'est pour ça qu'il fait bon ici. D'accord, mais alors comment on monte? Peut-être qu'on peut pas, hein. Si, il doit forcément y avoir moyen. C'est une échelle quelque part. On va trouver. On va continuer à faire le tour jusqu'à ce qu'on trouve... Ah! Peut-être l'air plus abordable par là. Ah! Quelque chose ici en tout cas. On peut pas s'accrocher? Donc il doit y avoir moyen. Ça, c'est un labyrinthe ce truc. Donc là c'est ce que j'ai visité. Encore. Yes. Ah voilà. Ah! Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. Nice. Oh, is it say? Oula. Mais... La chinoise, oui, on se souvient. Et je vais enfin bientôt pouvoir construire des trucs. Ce serait sympa de pouvoir se faire une petite base quand même. Un jukebox. Il y a tellement de choses à faire. Ah, une armoire, cool. New blueprint synthesized. Fabricator. Machine à café, j'ai déjà. Donc on va pouvoir se faire des armoires.
un lit, je sais pas à quoi ça sert, mais ok. On va pouvoir faire des rangements, on va pouvoir faire plein de choses. C'est le son des succès débloqués, flippe pas. Non mais j'essaie. Quoi ? Je dois scanner les deux lits. Station de modification endommagée. Ah bon ? Ok, est-ce qu'il y a encore des choses ? Tout scanné, hein. Mais station d'amélioration endommagée, donc ça veut dire quoi? Un truc qui va peut-être me permettre d'améliorer... améliorer des choses, améliorer des justement, des créer des améliorations pour les véhicules, pour des trucs comme ça. En tout cas, trop bien. Là, on vient de débloquer beaucoup de choses. Salle de scanner. Oh, il y a tellement de trucs. Trop cool. Attendez, faut aller voir là au-dessus. Rien là. Rapport de situation. Ah oui, ça me... D'accord. Merci Chiki Lol pour l'année. Je vais fêter ça avec un peu de backseat, tiens. Mais je vois pas la rambarde. Ok. On peut pas rentrer dans ce truc ? Pas genre une porte ? Ah, y'a une échelle. Calories. Oula, oui, et vital signs stabilizing. Port du module de passage en mode hors test. Je peux rien faire. Aïe aïe aïe. Vite. Ok. Attendez, je rêve ou tout à l'heure j'ai... En fait j'ai fait... Non, j'ai pas fait qu'une fois. J'ai oublié des choses dans la base. Ah bon? Donc ça j'ai pas trop... Oh! D'accord. Parfait. Bon, je crois qu'on peut pas aller plus haut. On va pouvoir rentrer avec tout ça et donc avoir moult nouvelles choses à construire. Et quand on sera de retour à la base... Mais ce truc là notamment... Ça je l'ai pas ouvert. Ah. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Un bureau de cadre de la Chaos Corp. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Et le siège là, non? Est-ce qu'il y a encore des trucs? Ah, un aquarium.
un observatoire. Trop bien, on va pouvoir mettre ça sous l'eau. Oh ouais, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Est-ce que j'ai tout visité? Parce que vu qu'il faisait noir, j'ai pas tout bien vu. Ouais, ça a l'air d'être les deux seuls modules. Alors du coup, c'est par ici que je suis venu tout à l'heure. Ok, mon truc est là-bas. Je remonte dans mon aquatracteur et je me casse. On fait une petite sauvegarde et je fais ma petite pause de midi et on se retrouve dans... Enfin, 30 minutes après. Je n'ai pas encore pu expérimenter les dégâts de chute dans ce jeu. Je sais pas si je survis un truc comme ça. Je suppose que oui. Oh ouais, ça va, je suis à peine blessé. J'ai à peine perdu quelques points de vie. Bon, par contre, ça... je suppose que je dois pas trop mettre les pieds dedans. On va éviter. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est de quand je suis mort! Viens là! Putain, je l'ai vu. Il y en a d'autres. Aquatracteur, ok. Alors, ne pas se bloquer, hein. Prends pas de risque. Là, je prends pas de risque. C'est bon. Allez, ça ira comme ça. Et c'est parti! Trop bien, petite session d'exploration. Nickel. C'est bon. C'est trop la détente ce petit jeu quand même. C'est trop bien. L'oxygène, ça dit quoi? Comment je vois le niveau d'oxygène de mon aquatracteur en fait? Tant que je suis dedans, l'oxygène est toujours à fond? C'est ça? Parce que là, je vois les points de vie du truc, l'énergie. C'est infini! Ah oui, d'accord, mais j'ai plus jamais de problème d'oxygène, en fait. Super! Bon, bah écoutez, on a plein de choses à construire après. Trop hâte. Je mange. Et on se retrouve à... on se retrouve à midi 35. Et salut YouTube.